Chers téléspectateurs, bonjour à tous. L'étude du sabre du Taizi touche à sa fin. Fang Zhou, tu maîtrises ? Je dois encore pratiquer. Bien, dans ce cours, nous allons réviser le contenu des cours précédents. Lisons les points importants des mouvements difficiles de la troisième partie. Pas vide, cachez le sabre. Lors du mouvement, enveloppez le cerveau, le sabre doit être collé contre le dos. Les trois cercles autour du soleil. La rotation du corps doit être stable et le saut doit être souple. Le mouvement de balayage du sabre se fait d'une seule traite. Explore la mer. Il faut piquer vers le bas, la force vient de la taille, elle doit atteindre la pointe du sabre. Le boa se retourne. La rotation et l'action de pourfendre doivent être synchronisées et fluides. La force doit atteindre la lame du sabre. Maintenant, pratiquons les mouvements de la troisième partie afin d'approfondir notre compréhension. D'abord, les fleurs cachées sous les feuilles 3. Pas vide, cachez le sabre. Le dragon sort de l'eau. Cercle autour du soleil. Attention à rester bien stable lors de l'accroupissement après le saut. Répétez une fois avec nous l'enchaînement de ces mouvements. Regardez bien les mouvements. Continue de réviser la suite. L'oie referme ses ailes d'or. La position unicaudale doit être bien stable. Le yaksha explore la mer. Le boa se retourne. Pratiquez une fois avec nous l'enchaînement de ces mouvements.
Démonstration en groupe du premier enchaînement des techniques de sabre du Traitir. À présent, nous réalisons les mouvements de la quatrième partie de la forme, mais d'abord, regardons une fois. Révisons les points importants des mouvements difficiles de la quatrième partie. Le dragon se retourne. La rotation du corps est combinée au piquage. Le sabre et le bras forment une ligne droite. La force doit atteindre l'avant de la lame. Le vent chasse les nuages. La rotation du corps et le mouvement de pourfendre doivent être coordonnés. La lame étant biais vers le bas, le corps légèrement tourné vers la gauche. Le vol oblique. Il faut tourner la main droite de manière à balayer avec le sabre en biais vers l'extérieur. La force doit atteindre l'avant de la lame. La force du pointage doit arriver dans la pointe du sabre. Ce mouvement doit être subtil et fluide. Enlacez la ligne. La lame du sabre doit être orientée vers l'avant. Le sabre est ramené et saisi par la main gauche. Le dragon se retourne. Le vent chasse les nuages. Le vol oblique. Les yeux regardent dans la direction de la lame. Refaisons une fois ces mouvements de manière enchaînée. On refait ces mouvements afin de mieux saisir les points importants. Le singe se recroqueville. La libellule effleure la surface de l'eau. Attention lors du pointage à ce qu'il y ait bien un aller-retour du sabre. Les fleurs cachées sous les feuilles 4. Enlacez la lune. Lorsqu'on ramène le sabre, il faut que les yeux suivent le mouvement du sabre. Le maîtriser qu'en persévérant dans la pratique.
fin, répétons l'ensemble des mouvements enchaînés des 3e et 4e parties. Spectateurs, la révision d'aujourd'hui est terminée. Fang Zhou, comment te sens-tu? Ça va beaucoup mieux. Très bien, on se retrouve à la prochaine séance. Au revoir. Au prochain cours, nous allons faire une révision générale. Apprécions ensemble la forme de sabre du Tai Chi du style Chen au complet.